amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, aujourd'hui on va parler de la fermeture centralisée, les amis. Et oui, je vous ai promis de faire la vidéo sur la fermeture centralisée. Donc les amis, au programme, donc je vais vous expliquer pourquoi je veux installer la fermeture centralisée. Surtout, c'est très important si vous allez faire le 4L Trophy. Hein, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment, à mon avis, avoir. Et je vais vous montrer un petit tuto. On va l'installer ensemble. Donc, je vais le découvrir en même temps que vous. Hein, donc, on va l'installer ensemble. Bon, bah, allez, c'est reparti. Bon, les amis, quelques propos liminaires avant de commencer le tuto. Alors, pourquoi je vais installer le fermeture centralisée? Alors, c'est très simple. Quand j'ai fait le 4L Trophy, pour être très honnête avec vous, c'est vraiment... Au retour de France, je me suis dit, il faut absolument que je l'installe. Bon, là, ça va, on est plein, c'est pas le rallye, etc. Mais au 4L Trophy, c'était vraiment une perte de temps, vraiment une perte de temps. Ouvrir le portail, le loquet, faire descendre, ouvrir ça, etc. Le coffre, machin, c'est une perte de temps, mais vraiment, ça m'a vraiment gonflé, pour être très honnête avec vous. Bon, certes, c'est le petit charme de la 4L, mais pour avoir vraiment quelque chose de très pratique au 4L Trophy, je pense que c'est bien d'installer la fermeture centralisée. Et surtout, pour des raisons de sécurité. Comme vous le savez, ils vont vous dire ça quand vous allez faire à chaque fois, fermez vos véhicules, etc. Attention. Et la 4L Trophy, comme je l'ai expliqué la dernière vidéo, je vous ai dit qu'il n'y a pas de loquet pour condamner les portes à l'avant. Et pas de loquet. Donc, vous êtes obligé de fermer à clé de l'extérieur et de vous enfermer à l'intérieur. C'est chiant, vraiment, c'est chiant. Donc ça, lorsqu'on ouvre la clé, voilà, et lorsqu'on rentre, et qu'on a envie de condamner la porte, ben, il n'y a pas de loquet. Sur toutes les 4L, à l'avant, il n'y a jamais de loquet. Je n'ai toujours pas compris, jamais compris pourquoi. Alors que l'arrière, il y a des loquets. Ici, voilà, on peut fermer, condamner ou laisser toujours ouvrir. Par exemple, là, et ça, on peut fermer. Donc, la seule possibilité que vous avez, bah, prendre la clé et fermer comme ça de l'extérieur, ou deuxième possibilité, bah. Lorsque vous ouvrez votre 4L à la clé, donc vous ouvrez la porte et vous laissez un peu ouvert comme ça et vous fermez et vous rentrez. Voilà, ça c'est franchement, c'est sûr. Quand tu as envie d'être dans un embouteillage, etc. Et voilà, tu as envie de fermer ta voiture, ben tu vois. Ça c'est un truc que j'aime pas sur la 4L, la R5. Je pense que c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de carjacking à l'époque. Parce que voilà, les gens, tu peux ouvrir et rentrer quoi. Parce que tu peux pas condamner ta porte de l'intérieur. Et surtout, voilà, encore une fois, quand on fait le 4L Trophy, on passe parfois par des routes, etc. Il y a des petits gamins qui essaient de vous arrêter sur la route. Et si par malchance, on vous arrête, ben, il y en a qui essaient d'ouvrir les portes. Et s'ils trouvent qu'elle est ouverte, ben, ils n'hésitent pas à prendre des petits trucs que vous avez. Bref, c'est sécurisant d'avoir la fermeture centralisée ou avoir des loquets, mais... Voilà, en tout cas, il faut vraiment, ça c'est une chose très importante à faire pendant ce raid-là, il faut absolument fermer la voiture quand vous êtes à l'intérieur. Vraiment, ça c'est très important. Et après, il ne faut pas oublier, hein, si vous sortez, vous laissez la clé dans le contact, alors là, attention, c'est pour ça que la fermeture centralisée, ça permet d'avoir, donc là j'ai deux contacts, hein, j'ai deux télécommandes, donc voilà, il faut toujours avoir une clé sur soi. Voilà, quand on fait 4L. Donc, c'est ce que j'avais fait lors de 4L Trophy. J'avais toujours une clé sur moi. En cas où, si je sors et que je laisse la clé à l'intérieur, moi, j'ai un double. Ça c'est quelque chose de qu'on faisait. Et surtout, le copilote qui était avec moi, eh ben, soit c'est lui qui reste dans la voiture, soit c'est moi. Jamais on sort tous les deux de la voiture. Ça, on a fait ça en Espagne, etc. Ça, c'est parmi les petits conseils que je vous donne. Mais pour être pratique, très honnêtement, pour avoir les quatre fermetures centralisées, les quatre fermetures en même temps des portes avec des loquets, je vais vous montrer. Il faut avoir la centralisation, c'est pratique.
C'est quelques vingtaines d'euros, hein. Je l'ai acheté sur Amazon. Celui-là, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il contient, quel est l'avantage d'avoir celui-là, parce qu'on peut avoir un troisième bouton. Je suis en train de réfléchir, qu'est-ce que j'active avec ces trois boutons. On va voir ensemble qu'est-ce qu'on va faire. L'avantage aussi de la fermeture centralisée, c'est que une fois vous condamnez la voiture, vous êtes sûr de ne pas oublier une porte, parce que comme vous savez, il faut fermer une par une avec le coffre. Au moins avec ça, vous êtes sûr de fermer au moins les quatre portes. Après le coffre, pour l'instant, ça restera toujours manuel, mais je vais vous expliquer pourquoi je garderai le coffre au manuel. Donc voilà, parmi ces raisons, donc voilà, le vol, on peut vous arrêter, on peut ouvrir les portes, on peut, voilà, pour être en sécurité, soit vous fermez ça manuellement et vous faites attention par rapport à votre clé, ou vous la laissez, ou vous gardez sur vous un double, etc. Moi, j'ai la chance d'avoir qu'une seule clé qui fait tout. Ça, c'est une chance. Il y en a des 4 ailes que vous avez une clé pour le contact et une clé pour les portes. Bon, ça, c'est pas pratique. Mais voilà. Soit vous faites attention, vous fermez votre porte manuellement, etc. Gardez sur vous un double, etc. Soit si vous voulez quelque chose de très pratique que moi je vais faire et que j'aurais bien aimé avoir au 4 rétrofit, c'est la fermeture centralisée. Et ben, c'est parti, les amis, pour le tuto. Allez, c'est reparti. Et bien, c'est parti, les amis. Donc là, on a le pack que j'ai acheté. Donc, je l'ai acheté sur AliExpress. Une vingtaine d'euros. Alors je vous conseille vraiment de prendre un comme celui-là, parce que vous allez voir après, parce qu'on a l'opportunité de faire beaucoup de choses. Donc ici on a le schéma et on peut faire beaucoup de choses. On peut faire la centralisation ici, et on peut faire par exemple activer une sirène, le coffre, voilà. Pour l'instant, moi j'ai troisième bouton. Donc celui-là, donc ça, ouvrir, fermer. Donc déjà on a deux télécommandes. Et troisième bouton, je réfléchis à quoi je vais le mettre. Pour l'instant, je sais pas. Pour l'instant, restons sur la centralisation parce qu'il y a du boulot quand même. Alors vous avez ici donc le montage, c'est assez simple, c'est assez basique. Donc le montage, donc là on a le petit boîtier, l'antenne. Ça aussi c'est sympa, on a un petit voyant, mais je sais pas si je vais le mettre en service, parce que vous allez comprendre après en fait la logique, parce que moi comme j'ai dit, la vidéo de fuite de courant, j'ai zéro fuite de courant sur la 4L. Donc on va voir combien ça va consommer celui-là avec un multimètre, et je déciderai où je vais l'installer. Donc pour l'instant, on va déjà commencer par l'installation. Alors, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai fait mon petit montage comme ça, rapide. Ici, on a les portes avant. Donc, il y a quatre moteurs qui s'ouvrent et se ferment. Là aussi, porte arrière. Donc, on a le schéma de câblage ici. On a donc ça, c'est la visserie, tout ça, les conneries. Bon, il faut avoir de quoi percer. On va voir si je vais percer ou pas. Et les outils, ben voilà, vous connaissez un peu tout ça. Donc là, ce qu'on va commencer par faire, c'est d'installer les loquets à l'avant. Comme vous le savez, sur la 4L, il n'y a pas de loquet à l'avant. Donc moi, j'ai des loquets, des portes arrière. Comme ici. Donc il faut avoir déloqué des portes arrière. Voilà. Et les installer à l'avant. Voilà. Donc il faut avoir donc le mécanisme des portes arrière pour le mettre à l'avant. Donc c'est ce que je vais faire. Ça, c'est sinon, ben, ça marchera pas, parce que vous, il n'y a pas de loquet ici. Et vous allez comprendre un peu le principe. C'est que le moteur va sortir pour ouvrir et se refermer pour fermer. C'est tout simple, c'est tout bête, c'est tout con. Voilà. Alors, première chose que je vais faire là, donc je vais installer déjà les loquets à l'avant. Moi, je l'appelle les loquets, hein. Après, il y en a qui l'appellent les serrures, etc. Chacun l'appelle comme il veut. Moi, je vais appeler, voilà, on va rester sur les loquets. Donc, je vais installer les loquets.
les portes arrière sur les portes avant. Donc c'est très simple. Donc déjà, première chose, ben, vous enlevez la garniture. Donc j'ai déjà commencé. Donc vous enlevez la garniture là. Donc voilà, il y a juste éclipsé ici. Hop. Donc vous enlevez les deux vis là. Il faut enlever l'ouverture là, pareil, juste une petite vis. Hein. C'est vraiment assez basique, hein. Franchement, très simple. Et voilà, elle va tomber toute seule. Bon, c'est pas la peine de l'enlever, hein, parce que je vais la remettre juste après. Ensuite, on enlève. Donc ça. Rapidement, il y a deux écrous juste derrière. On a une là et une cachée ici. C'est un écrou de 8, je dirais. Donc j'ai juste enlevé l'écrou qui est là. J'ai gardé celui-là. Je l'ai juste desserré et là il y a le loquet que vous pouvez donc enlever. Et voilà, vous sortez. Donc voilà. Le mécanisme avec la serrure qui malheureusement n'a pas ce petit loquet qui était normalement. Donc voilà, donc là j'aurai plus de clés. Alors il y en a maintenant qui vont me dire, mais Younes, tu vas enlever les deux clés à l'avant, mais qu'est-ce que tu vas faire si tu n'as plus de batterie pour ouvrir la centralisation? Et calmez-vous, il y a toujours le coffre. Vous aurez toujours le coffre manuel à clé. Donc vous ouvrez, vous appuyez sur l'ouverture de la porte arrière, vous rentrez à l'intérieur. Donc voilà, il y aura toujours le coffre pour accéder à la 4L. Tout d'abord, comment ça fonctionne? En fait, vous avez juste cette goupille là, la goupille. Donc quand vous appuyez, donc vous ouvrez, c'est tout. Et la même chose, de l'autre côté, quand vous appuyez sur votre panier à l'intérieur de la voiture, ben, c'est de l'autre côté, ben, vous appuyez là. Et vous ouvrez la porte. Voilà, le principe, ça, c'est simple. Voilà, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Sauf que l'arrière, là, on a le loquet pour fermer, donc pour empêcher, donc, de ouvrir. Voilà. Si je la mets là en position fermée, je ne peux plus, même en appuyant, je ne peux plus ouvrir la porte. Voilà. Voilà, le principe, assez simple. Et on a la sécurité enfant pour certaines 4L. Lorsque vous tournez, ben vous bloquez le système de l'intérieur par contre. Voilà. Donc là, on va mettre le loquet. On va mettre les loquets de l'arrière à l'avant. Même chose, donc on remonte. Donc, à l'inverse, c'est tout simple. Hein. Donc voilà. Donc là, attention, il y a un sens de montage. Hein. Donc celle de porte arrière droite va avec la porte avant. Alors malheureusement, il y a des 4L où c'est pas percé. Donc il faut malheureusement percer. Moi, c'est percé d'origine. Donc j'ai de la chance. Deuxième chose qu'il faut faire attention aussi, c'est parce que là, en fait, à l'arrière, on a une sécurité enfant. Il y en a qui sont équipés de la sécurité enfant qui est celui-là. Là. Donc il faut laisser ouvert, hein, sinon on ne pouvait plus ouvrir la 4L de l'intérieur. Et vu qu'il n'y a pas d'accès, bah, voilà, il vaut mieux laisser ouvert. Voilà, donc bah, on remonte ça. Donc voilà, donc n'hésitez pas à ajuster un petit peu par-ci et par-là. Donc là, petit test, hop, ça marche. Si je ferme le loquet, hop, je ne peux plus rentrer. Et je vais voir si j'ai la sécurité enfant. Non. Donc j'ouvre par l'intérieur et c'est bon. Donc voilà, donc ça c'est fait, ça c'est fait. Donc ce qu'on vous propose, on va faire déjà entre parenthèses électrifier les deux portes arrière. Donc j'enlève la garniture. Alors, donc l'idée c'est quoi? L'idée c'est que donc là on a le moteur, hein. L'idée c'est que le moteur va monter pour ouvrir donc sa position ouverte et position fermée. Donc l'idée c'est de l'installer à l'arrière.
C'est marrant, moi j'ai les mousses, je crois qu'il tient super bien, je crois que c'est même pas la peine de percer, rien du tout. Je vais juste choper la tige de l'arrière et faire monter et descendre. Je vais peut-être fixer des petits trucs, ah tiens, peut-être là, vous voyez, petit trou ici. Voilà, vous voyez. Donc j'essaie de rattraper le loquet de l'arrière. Et je vous montre après. Alors, j'ai effectué quelques tests. Donc, le principe, c'est que j'aille chercher donc, le loquet de là à là. Donc, comme ça, position ouverte, position fermée. Donc, le souci que j'ai trouvé, c'est que on a donc les tiges qui sont dans le pack, que je trouve, moi, assez gros. Donc, ça m'empêche, en fait, de faire mon petit système pour comme je vous ai montré le petit loquet là. Donc j'ai très peu d'espace et c'est trop rigide, j'arrive pas vraiment à, je peux le faire mais c'est trop rigide pour moi, donc je laisse tomber ça. Alors il y a deux solutions. Alors la première solution, donc soit vous faites un petit trou là et vous tirez donc avec donc le petit menteur, vous faites un petit trou là, vous mettez la tige et là vous pour monter et descendre, une petite tige, un petit trou là. Moi je ne veux pas faire ça, je vais directement chercher le loquet par ce côté là. Donc pour faire ça, je suis allé chercher des cintres chez moi qui sont très fins et qu'on peut modeler comme on veut. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper un petit bout et je vais vous montrer le résultat. Donc voilà le montage que j'ai fait. Donc là, j'ai pris le petit loquet. L'intérieur, donc là, comme vous pouvez voir, donc je l'ai fixé là. J'ai pour l'instant fixé le menteur avec un seul vis parce que j'ai la mousse. Pour l'instant ça tient bien, donc voilà, on va voir déjà. Donc là normalement ça devrait faire comme ça parce que je vais brancher électrique. Donc voilà, pour l'instant on laisse comme ça et on va voir ce que ça va donner lorsque je vais passer à électrifier tout ça. Donc j'ai fait ça, bah, je fais ça avec les autres. Bon, partie mécanique terminée. Donc tous les moteurs sont maintenant à leur place. Voilà. Et le dernier. Donc voilà. Je vais essayer quand je finirai un jour, je trouverai quelque chose pour faire un petit truc sympa ici pour cacher tout ça. Mais bon, pour l'instant, on va voir déjà. Tout ça fonctionne. Donc vous voyez hein, le moteur, hop, fermé, ouvrir, fermé. Alors maintenant on passe à l'électrique. Donc j'ai commencé par brancher l'arrière, l'avant. Donc comme je l'ai montré dans le garage, j'ai fait une simulation par terre, c'est très simple, vous suivez hein. Donc là, arrière, droite, avant, gauche, c'est bon. L'arrière c'est bon, maintenant il nous reste à l'alimenter. Bon bah maintenant le branchement. Le branchement bah, c'est simple. Donc vous suivez tout ce qu'ils ont dit. Hein. Donc là, tout ce qui est bleu et vert, bah, c'est tous les moteurs. D'accord. Ensuite, là, vous branchez, bah, c'est indiqué. Hein, blanc, blanc, rouge, noir, noir, etc. C'est assez simple. Il va vous rester. Donc ça, ils ont mis un fusible. Ça, c'est pas mal pour sécuriser le système. Brancher avec un plus et un moins. Voilà, c'est vraiment simple. Et ça, c'est, j'ai découvert ça, c'est assez sympa. Donc là, en fait, si vous voulez... donc les deux là, le blanc et le brun comme ça, donc si vous voulez mettre un bouton à l'intérieur, ça c'est sympa ça. Donc là je vais me trouver un petit bouton, comme ça j'ai la fermeture centralisée avec un petit bouton, vous cliquez et hop. Donc au lieu d'utiliser la télécommande, vous pouvez utiliser juste un bouton intérieur. Mais bon, pour l'instant on va faire déjà l'essentiel pour voir si ça fonctionne. Alors, pour alimenter le 12 volts, donc là, souvenez-vous, quand je vous ai fait la vidéo sur les manos, etc.,
On a des après-contacts, on a les permanents, on a les feux de position, etc. En tout cas, moi, je vais me brancher sur des plus permanents parce que là, la télécommande doit toujours rester alimentée. Donc là, vous avez le choix. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5. Donc le 5 et le 6. Le 5 et le 6, c'est des plus permanents. Voilà. 5 et le 6. Donc là, vous enlevez les deux vis. Et là, pareil, comme on avait fait la dernière fois pour les manos, etc. Donc là, j'ai de la place ici. Ben, je vais mettre là. Donc, je me suis fabriqué. Donc, je vais me mettre là. Et le négatif, et ben, je vais me piquer là. Tiens, c'est comme ça, c'est accepté. Pour l'instant, je le mets là. Et après, vous allez comprendre pourquoi, dans un premier temps, je le mets là. Et là, les amis, regardez. C'est super. Ah putain, ça fonctionne au premier coup, regardez. Là, ouais, ça marche. Oh, je suis super content. Franchement, j'adore. En fait, la 4L, je me permets de faire plein de gadgets, etc. Parce que voilà, elle est atypique pour moi et il y a plein de gadgets et j'adore en fait. Donc voilà, bah ça fonctionne. Hein. Donc là, j'ai juste à. Par contre, déjà, on va faire le test combien elle consomme. Les amis, regardez. Donc là, je vais fermer. Fermé. Fermé. Oh là là, c'est trop bien, c'est génial! Oh là là, on a fini les galères! Ça y est, c'est fermé! Donc là, je vais ouvrir. Oh, c'est génial! Ah, on a un petit ajustement à faire. Un petit ajustement. Alors, je ferme. Donc c'est bon. Oh, c'est génial! Ça y est! Hop. Alors là, j'étais en position ouverte. Hein. Ça, c'est bon. Ah, petit ajustement à faire. Donc là, on va ouvrir là. En fait, quand j'ai dit ajustement, c'est juste le moteur. Parfois, il faut juste ajuster comme ça, là. Pour bien positionner. Tac. Donc là, hop. Là, normalement, ça s'ouvre. Ça se ferme. Bon, on va déjà voir comment ça consomme tout ça. Alors, souvenez-vous de la vidéo de la batterie. Comme je l'ai acheté, je vous ai fait le test de fuite de courant. Donc là, le test, c'est de voir combien ça consomme. Donc le boîtier, en fait, parce que le boîtier, il est alimenté toujours. Alors, il me dit 0,01. Ah bah, c'est pas décollant. Ça consomme quasiment rien. Donc, je vais voir avec l'ampoule ce que ça donne. J'ai branché la petite ampoule et là ça consomme. Bon, pas grand chose. Donc l'ampoule, en fait, quand on ferme, elle commence à clignoter comme ça. Donc là, on va voir combien maintenant ça consomme. 0,01. Ah, c'est pas beaucoup, hein, franchement. C'est pas beaucoup, donc c'est intéressant tout ça. Donc, souvenez-vous, ce que j'ai dit, 55 ampères par heure, consommation 0,01, ce qui veut dire que la batterie va se décharger au bout de 5500 heures, ce qui est équivalent à 229 jours. Donc, c'est pas déconnant. C'est pas vraiment déconnant, sachant que moi je fais tourner mes voitures les week-ends. Donc, non, franchement, 0,1, c'est pas choquant. D'ailleurs, ça tombe même à 0 de temps en temps. Donc, ce que je vais faire, bah en fait. Alors, ce que je vous ai expliqué, c'est que je vous ai dit que je voulais installer le boîtier ici. Comme ça, si jamais la batterie se vide, je pourrais ouvrir le coffre et brancher le boîtier. Mais vu que la consommation est extrêmement faible, 229 jours, c'est vraiment énorme. Bah écoutez, moi je vais laisser le module branché en permanence. Ça me choque pas. Ça me choque pas. 229 jours, énorme. Donc non, non, franchement, je vais laisser brancher. Comme ça fait petit clignotant, ça fait un peu peur. Pour ceux qui veulent voler, dire que voilà, il y a une alarme.
Donc ça, c'est pas mal. Donc non, non, franchement, moi, je suis satisfait. Donc là, au départ, je me suis dit, si ça consomme beaucoup, ben, je vais mettre le boîtier dans le coffre. Mais en fait, non, en fait, je vais garder le boîtier comme à l'intérieur. Donc à côté, donc là, je vais essayer de mettre ça, cacher tout ça pour faire ça au propre. Après, bon, donc là, c'est ma méthode. Comme je vous l'ai dit, ça, c'est ma méthode à moi. Chacun va faire ce qu'il veut. Donc là, moi, je vais ranger le petit boîtier. Et pour les boutons, les amis, j'ai découvert un truc sympa. En fait, je me suis dit, tiens, je vais aller chercher un petit bouton pour mettre la centralisation directe. Mais j'ai découvert un truc. Regardez, en fait, le principal, parce que le principal, il y a tous les câbles du principal. Les autres, il n'y a que deux câbles. Et ben, le principal, lorsque vous appuyez, vous fermez, ben, vous fermez toutes les centralisations. En fait, ça... Vous avez la centralisation. Donc, j'ouvre. Quand j'appuie sur le bouton. Et là, ça ferme. Voilà. Donc là, je vais fermer. Voilà. Donc en fait, celui-là, quand vous levez et descendez, ça condamne tout le monde. Le principal, le principal. Donc, deuxième chose que je ne vais pas faire. Donc, je ne vais pas installer un petit bouton en plus. Ça ne sert à rien parce que j'ai le loquet. Donc, il fait tout. Donc ça c'est bon. Maintenant ce qu'on va faire, il commence déjà à faire tard, c'est que je veux les clignotants. Comme ça, ça fera joli les amis. Donc je vais chercher le clignotant. Bon les amis, je vais arrêter pour ce soir. Parce que pour chercher les clignotants, il faut que je réfléchisse à une bonne stratégie. Parce qu'il faut que je démonte tout le bas du volant. Et en plus, j'aimerais faire fonctionner ce bouton là. Comme ça, il aura une utilité. Donc, comme on dit, hein, la nuit porte conseil. On va à demain. Enfin, pour moi. Avec le coude, en fait. Avec le coude, je peux fermer les portières. C'est trop bien. Tout est condamné. Ah, voilà. C'est ça, la sécurité, les amis. Et là, je vais ouvrir avec le petit coude. Oh, oh là là, c'est super, ça. Donc là, bah, je rentre. Et après, on réfléchit pour la suite. Allez, condamnation des portes. C'est fait. Arrivé au garage. Alors, est-ce que tout est fermé? Oui. 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 Oh là là, quel gain de temps. Quel gain de temps. Si c'était comme ça, 4 trophées, tu fais tac, tac. Hop, ça y est, c'est fermé. T'as pas à vérifier une par une, machin, etc. Oh là là. Bon, bah, demain, Super Wolfie. Bonjour. Ah, quel petit bruit de modernité. Allez, on va finir la vidéo. Hop là. Bon, et toi, ma petite princesse. Alors, c'est juste pour vous montrer, en fait, comment c'est chiant, les anciennes serrure de Renault. Donc là, ça c'est la R5, hein. Donc, par contre, ça je ferai jamais de truc centralisé, etc. Parce que juste pour vous montrer en fait comme c'est chiant, parfois c'est vraiment être voilà. Donc là, faut que j'insiste. Voilà, donc là c'est bon, ça ouvre. Mais quand ça vieillit trop, en fait, c'est très compliqué. Parfois, vous passez une minute pour déverrouiller, mais bon, voilà. Mais bon, t'inquiète pas, toi, tu vas rester comme ça d'origine, hein. Mais la Super Wolfie, elle est passion électrique. Contact. Terre, c'est bon. Hop. Ah, c'est bon, ça. Ah là là, ça me rappelle mon enfance. Parking, sortie du parking avec la 4L. Et sa belle odeur d'essence. Ah là là. Bon, on va continuer notre histoire. Je vous avais dit que je voudrais avoir les clignotants avec la fermeture centralisée. Mais j'ai trouvé quelque chose qui est très 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 sympa. Donc j'ai déjà vérifié avec le multimètre que les deux dans du 12 volts. Donc les deux, si vous regardez le branchement, les deux dans du 12. Donc voilà, moi ce que j'avais fait, souvenez-vous quand j'avais fait le vidéo de manomètre, et ben je me suis piqué tout simplement sur ce que
j'ai déjà fait. Donc, dans l'éveilleuse directement, et vous allez voir, c'est très très marrant. Voilà ce dont ça regardait. Oh, c'est pas beau ça, franchement, je suis très content. En plus, j'ai les LED. Ben, c'est pareil comme les clignotants, sauf que là, c'est encore plus beau parce que j'ai les LED. Vous avez la vidéo que je vous avais fait. J'ai les LED sur la veilleuse. Et à l'arrière, ça change aussi les oranges. Ça fait du rouge. Voilà, comment dire, voilà, c'est franchement, c'est trop bien. Oh là là, c'est trop bien. Donc voilà. Si vous voulez vous piquer comme moi sur les veilleuses, bah vous faites comme moi. Donc voilà. Donc là, je vais faire ça au propre, c'est pour vous montrer. Si vous voulez vous piquer sur le clignotant, bah, dans ce cas-là, il faut vous piquer sur le clignotant. Donc soit sur les feux de détresse, hein, le petit bouton, soit directement sur les câbles du commando. Donc voilà, c'est assez simple aussi, mais bon, moi je préfère faire les veilleuses. Après, comme j'ai dit, à chaque fois chacun fait ce qu'il veut, moi je vais rester sur ça. Et en plus, pourquoi je les vois avec la veilleuse? Parce que moi j'ai les LED, donc c'est plus sympa ici et là, donc c'est sympa. Et en plus, ça fait aussi la plaque. Et oui les amis, faut pas l'oublier, la plaque, elle est aussi en, vous allez voir quand je serai dans le garage, d'aller voir, c'est très sympa de voir la plaque en LED. Et c'est pas beau ça? Et c'est pas beau ça? Donc, si vous faites comme moi, donc sur la veilleuse, il y a juste besoin d'un seul fil qui donne du 12 volts. Par contre, si vous voulez vraiment faire droite et gauche les clignotants, donc dans ce cas-là, il faut vraiment se piquer sur les clignotants à droite et sur les clignotants à gauche. Voilà. Donc, pour ceux qui choisissent la solution du commando, après, si vous choisissez la commando de feu de détresse, bah, dans ce cas-là, il faudra juste un seul positif. Voilà. Maintenant, je me suis dit, bon, ben, j'étais en train de clôturer la vidéo, mais je me suis dit, mais Younes, j'ai levé les yeux et comme par hasard, qu'est-ce que j'ai trouvé? Le bouton de centralisation. Donc, en fait, ben, on va faire un bouton de centralisation intérieure, les amis. Et oui, ben oui, on va pas perdre ça. À l'époque, je vous avais dit que pour le plafonnier, je suis en train de réfléchir. Ben en fait, ça tombe pile poil parce que là, c'est vraiment le bouton qui permet d'ouvrir et fermer. Alors, comme j'ai dit, il y a deux câbles qui permettent de faire ça. C'est le brun et le blanc. Voilà, qui vient du faisceau principal. Donc là, il faut normalement les deux là, plus on va rajouter une masse. Regardez les amis, maintenant j'ai un bouton, voilà. Donc après chacun peut faire un bouton. Celui-là c'est un peu compliqué quand même. C'est le second parce qu'il y a beaucoup de câbles, mais bon. L'essentiel c'est que voilà, regardez. Voilà, c'est fermé. Et maintenant si je veux ouvrir, le bouton magique. Voilà. Oh là là, c'est super bien ça. Oh là là, c'est magnifique. Et voilà le petit bouton, donc voilà, hein, qui marche très bien, regardez.
Accrochage à pied. Voilà. Trop bien. Bon les amis, la vidéo va bientôt se terminer, donc on va la finir. Donc en fait, ce que je vous propose, c'est que ce bouton, dites-moi ce que vous voulez que je fasse avec ce bouton. Voilà, ça c'est, on va faire un petit exercice en commentaire. Qu'est-ce que vous voulez que j'appuie dans ce bouton? Qu'est-ce que vous voulez que j'active? Pour l'instant, franchement, j'étais parti pour faire le klaxon vieux taco, mais bon, je me suis dit, bon, c'est... Mais peut-être que vous avez une bonne idée. Mais en tout cas, voilà, la vidéo est terminée. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais ranger tout ce bazar, bien caché, faire des trucs propres. Par contre, si je peux vous inviter à faire quelque chose de mieux, c'est que là, pour moi, ça tient bien. Il n'y avait qu'une seule vis. Parce que j'ai des mousses. Franchement, les mousses, ils tiennent bien. Parce que c'est des mousses qui sont anti-bruit. C'est vraiment très, très rigide. Il tient bien. Moi, ce que je vous propose, c'est faire vraiment un deuxième trou. Ici et là. Pour bien fixer le moteur. Voilà. Ça, c'est le conseil que je peux vous donner. Vraiment, si vous n'avez pas ça, ben, faites un deuxième trou. Comme ça, votre moteur tient bien. Pour l'instant, moi, j'ai pas besoin. Vraiment, ça marche très bien. Ah oui, pour ceux que... Si vous demandez où je vais passer les câbles, etc. Franchement, les amis, c'est très simple. Donc là, ce que je vais faire, ben, en fait, je vais juste suivre. Voilà, et après, ça sera vers là. Hein. Donc, je vais faire un riselant par là, par contre. Et puis, voilà, c'est tout. Donc, vous allez juste fermer ça et puis c'est tout. Hein. Ça, il n'y a pas vraiment de choses si compliquées. Donc, moi, je vais juste suivre les caoutchoucs. Donc, je vais faire un riselant comme ça. Et puis, c'est tout. Hein. Ça sera bien tenu. Et puis, voilà. Hein. Donc, prenez pas la tête. Prenez vraiment pas la tête. Mes serrures d'origine. Donc, si jamais un jour, j'aimerais revenir en arrière, bah, je vais récupérer mes serrures. Donc là, mes deux serrures, ils sont là. Bon, bah, au final, j'ai pas besoin de ça, ni même besoin de faire des trous. Donc, ça me va bien. Bon, bah, les amis, j'espère que ce mini tuto sur la centralisation vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire. Et je vous dis, comme à chaque fois, à très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. Allez, salut. Salut, Super Wolfie.